Salut tout le monde, c'est le monde de Guignol et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Normalement là, oui, j'ai un tout nouveau râtelier, je suis trop content, je vous montrerai ça juste après. J'en ai un gros là et un petit là, ouais, que vous ne voyez pas. Donc là, ce sera définitif, ce sera mon décor, voilà, avec mon râtelier. Je trouve qu'au niveau de la lumière, ça va bien. Voilà, alors cette vidéo, déjà je vais vous montrer mon râtelier, je vais vous montrer ma décoration de Noël. Mais attention, j'ai mon sapin qui est une branche d'arbre pour l'instant, ce sera un autre sapin, je vous ferai une vidéo quand je l'aurai. Voilà, une petite annonce pour vous dire, toutes les vidéos que je vais faire, ce sera sans montage jusqu'à Noël. Voilà, parce que je vous concocte une petite surprise. Ou soit il y aura peut-être une vidéo une vidéo de Noël, une vidéo jusqu'à Noël avec des montages, je sais pas si j'aurai le temps. Là j'ai absolument pas le temps entre l'école, les devoirs, tout ça. Le montage, je prends presque 2 heures à faire le montage, alors voilà. Donc je suis trop contente parce que là je viens d'acheter un guignol, voilà, sur Vinted. Donc, je vous ferai une petite vidéo quand j'aurai l'air reçu. Voilà. Alors, je sors de mon décor. Oui, là, on a le deuxième décor. On a le deuxième décor qui est un fond pour mon théâtre. Slip. Regardez. Voilà. Je suis dans ma toute nouvelle salle de spectacle. Donc, je suis actuellement trop content. Donc, voilà. Alors, ça, c'est l'étage du haut. Petite démo sur Niafron. Regardez, schlac, schlac. Et là, quand on a fini, on est comme ça. On revient. Schlac. C'est un peu dur avec... Et voilà. Et là, c'est mon deuxième râtelier que moi, j'ai construit moi-même. Regardez, c'est avec ça. Voilà. Donc, c'est pour mes marionnettes en plastique. Voilà. Donc là, on a mes affiches de guignol. Là, on a le texte. Donc, les gens, je vais vous montrer ma toute nouvelle décoration de Noël. Alors, là, on arrive. On a un petit Père Noël. Voilà. Là, on a des gros lustres. Comme ça. Là, c'est comme ça, avec un casse-noisette. Je vais juste vous remettre la lumière. Parce que je l'avais pris du coup pour éclairer. Donc là, on a un casse-noisette, des guirlandes comme ça, une grosse guirlande là. Là, on a un gros cadeau avec un carton que j'ai fait moi-même. Voilà. Et pour l'instant, c'est ça mon sapin, mais je vais avoir un plus gros sapin. Alors, je vous montrerai. Voilà. Oui, ça, c'est mon lit. C'est un canapé-lit. Voilà. Voilà, voilà. Ah oui, j'ai des nouveaux décors. Je vous avais pas dit. Je vous remets là. Regardez, donc là, j'ai... C'est tout comme ça, regardez. Là, j'ai... ça, c'est mes rideaux de base. Mais j'ai un deuxième rideau. Comme ça, voilà. J'ai un deuxième rideau qui est très, très beau. Et ça se passe tout sur une quille. Une quille de billard. Voilà. Qui est... Et ce qui est cool, c'est qu'on peut... voilà. C'est tout. Et là, donc, on a... Je vais le mettre juste... J'arrive. Deux petites secondes. Je vais mettre juste mon rideau sur l'attache rideau. Voilà. Donc, voilà. Alors là, on a... Une sorte de forêt-château. Je vais essayer de vous caler pour que vous voyez quand je change mes décors. Voilà. Donc, voilà. Oui, je suis en caleçon short parce que je suis malade. Voilà. Donc, là, donc normalement, le rideau est fermé. Je change comme ça. Coucou! Voilà, comme ça, je le remets là. Alors moi, quand je change de décor, quand j'ai fini de décor,
Voilà, et là on a changé de décor. Et après, bien sûr, je rouvre. Mais vous savez, les coups de bâton, normalement, c'est ça comme coup de bâton. Et moi, quand je change de décor et quand les rideaux se rouvrent comme ça, je vais vous faire juste. Après, je remets bien la lumière. Normalement, oh non, merde. Normalement, je fais ça. Et maintenant, j'ai changé, j'ai juste mis une chanson. Voilà. Et là, vous pouvez voir mon fameux décor de village. Voilà. Donc, je vais défaire ceci. Oh merde! Oh le con! Oh, je suis vraiment con. J'ai défait mon rideau. Attends, je reviens. Voilà, voilà. Je l'ai refait. Donc, on va remettre. Ça, c'est tombé. Alors, comment je l'avais mis comme un con? Ah oui, je l'avais mis comme ça sur le bord. Voilà. Schlack. Voilà, voilà. Et là, bien sûr, on a mon enceinte. Voilà, on a mon enceinte. Je rentre dans le décor. Voilà. Je vous avais mis comment ? Comme ça, je crois. Ouais, je crois. Ouais. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter tout ce que j'ai à part ma table. Pardon. À part ma table et mon coffre. C'est tout moi qui a fait comme accessoire. Oui, désolé, je garde là. Non. Je sais plus. Parce que c'est mon nouveau. Bah, c'est mon nouveau téléphone. Et du coup, j'ai pas l'habitude. C'est le téléphone de ma mère, pour tout vous dire. Voilà, donc là on commence avec un coffre. Oui, c'était un coffre comme ça au départ. Et après moi je l'ai peint, j'ai fait des petits mélanges. Vous pouvez voir qu'il est un petit peu abîmé parce que ça fait longtemps que je l'ai. Donc voilà, un petit coffre. On l'ouvre, c'est comme ça à l'intérieur. Voilà, là le bois est un petit peu cassé au cours d'un spectacle. Voilà, je vais mettre ça. Là, on a donc ma tavelle. Où c'est qu'elle est ? Où c'est que je l'ai mis ? Ah, je crois que je l'ai mis là-haut. J'arrive. Ne bougez pas. Voilà, et là. Ah oui, et j'ai une boule de Noël aussi. C'est pas moi qui l'a fait. Donc, voilà. Je l'ai juste retrouvée dans un... C'est ma grand-mère qui me l'a donné. Voilà, c'est une petite boule de Noël. Voilà. Donc, j'ai ma tavelle que j'avais achetée chez Souvenir de Saint-Jean. De Lyon, pardon, je vous dis des conneries. Voilà. J'ai donc la fameuse boule. Ball. Christmas ball. On a fait l'anglais, ça y est. Je l'ai assemblé. Donc là, on a, moi, c'est moi qui l'ai fabriqué toujours avec de la paille. Deux petits paquets de paille pour le spectacle Guignol et le chat. Guignol et le chat minouché. Voilà, donc c'est moi qui a écrit ma pièce. Et j'en avais besoin pour Niafron. Voilà. Après, j'ai un cadeau. Alors, je vais tout vous expliquer comment j'ai fait. Alors, donc, les trucs comme ça. Donc, les petits paquets de paille. En fait, vous voyez des branches autour, vous avez un truc sec. Et ben, j'ai pris plein de trucs, ça, j'ai tout assemblé et ça donne ça. Voilà. Je trouve que c'est hyper facile à faire. Voilà. Ça coûte rien. Ça, donc, voilà. Ça, c'est ma hotte du Père Noël. Voilà. J'ai tout simplement pris des mouchoirs. J'ai fait une boule. Je l'ai remis avec un mouchoir. Et là, j'ai mis deux petits bandeaux. Voilà, ça fait une hotte. Et là, c'est un cadeau. Voilà. Alors, j'ai pris un paquet de cartes. Je l'ai emballé pour faire la forme comme ça. Donc, je l'ai emballé avec du scotch. Et j'ai pris un ruban. Et puis, je l'ai mis autour. C'est hyper facile à faire. Voilà. Je vais tout remettre ça sur mon bureau. Et puis, je vous dis, là, j'ai acheté un nouveau guignol.
Je sais pas si... Ouais. Déjà, je vous ferai une vidéo pour vous le présenter. Oh, c'est trop mignon. Ah oui. Ah oui, je vous l'avais même pas montré comme un con. Je vous l'avais même pas montré, ma nouvelle marionnette peluche. C'est la petite souris. Voilà, je l'ai depuis très très longtemps. Voilà. Donc, il y a un truc comme ça pour... elle se pend. Comme ça. Oupsi. Désolée, hein. Je suis juste en train de refaire mon truc. Parce qu'en ce moment, je joue. Donc... Ok. Oh non. Oh le con. Ah ah. Ah oui. J'ai une trop bonne idée pour le refaire. La vidéo, ce sera pas une vidéo YouTube, ce sera un court-métrage. Je reste 24 heures dans ma salle de spectacle. MDR. Oh non. Allez, on tortille. Et qu'on se comme on tortille. Et on détortille, vu que j'ai fait de la merde. Wouhou. Du coup, schlack, schlack, schlack. Les mecs, ils sont mieux tout seuls en faisant du beatbox. Je sais même pas si c'est des beatbox. Donc voilà, ça y est. Et du coup, j'ai un petit truc. Oui, elle a été... ça fait très très longtemps que je l'ai. Ça fait... Ah non, non, c'est l'autre que j'ai. Donc là, je l'ai eu il y a 3 mois à peu près. Et du coup, ma chienne, vu que j'ai une chienne, vu que j'ai laissé pendre... Attends, je vais tout vous montrer, je vais l'ordre. Hein. Vu que j'ai laissé prendre ma marionnette comme ça, donc sur mon théâtre, et ben elle a tout à fait mangé la queue. Voilà. Je l'avais absolument pas rangée sur mon gratelier qui est là. Maintenant, je ferme la porte quand même. Du coup, voilà, c'était le monde de Guignol. Je pense que je vous ferai une vidéo quand j'aurai reçu mon Guignol. Voilà, ce sera la prochaine vidéo. Peut-être pas dans une semaine, hein. Ben, je verrai bien, je vous ferai une vidéo, je pense, le week-end prochain. Voilà. Bon, ben, c'était le monde de Guignol. À bientôt. Ciao.